régionale et municipale couplée du 21 avril. La campagne démarre ce soir à minuit. Et puis la police sanitaire monte au créneau, maquis, salons de coiffure et autres espaces seront inspectés. Et enfin au Mali, le gouvernement confirme la tenue des élections pour le mois de juin. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Pour commencer, c'est ce soir à minuit que démarre la campagne électorale pour les régionales et municipales couplées du 21 avril. Les candidats auront 15 jours pour convaincre. Ce matin, le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, a appelé les Ivoiriens à privilégier la paix sociale. Thomas Gessambi. Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante CEI, est intervenu ce vendredi 5 avril à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale pour les élections des conseillers régionaux et conseillers municipaux pour exhorter les Ivoiriens à faire preuve de civisme, de discipline et de sagesse. Chers frères et sœurs, la commission électorale indépendante est pleinement consciente de l'enjeu de ces scrutins et surtout de la sensibilité née de l'effervescence particulière qu'elle engendre. Elle voudrait compter sur vous pour mener, durant ces 15 jours, une campagne électorale pacifique, empreinte de tolérance, d'esprit de convivialité et de respect de l'adversaire, pour permettre aux électeurs de se rendre le jour du scrutin dans le bureau de vote avec assurance et sérénité. Unissons donc nos efforts pour franchir les deux dernières marches qui nous restent, à savoir la campagne électorale et la tenue du scrutin proprement dit. La CEI, à travers son président, tient à rassurer la communauté nationale et internationale qu'elle jouera une fois de plus son rôle d'arbitre impartial et vigilant. Alors, la campagne électorale s'ouvre à minuit GMT et on le sait, qui dit campagne dit opération de charme des candidats. Concernant les maires, est-ce qu'ils tiennent réellement leurs promesses? Quelques avis sur la question dans ce reportage signé Laetitia Manglé. Dans cette campagne qui arrive, nous avons au moins un, qui a un programme. La localité dans laquelle il sera, ses administrés seront contents. Des paroles mielleuses, des promesses aguichantes. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, ces candidats aux élections, qui à la veille des scrutins promettent monts et merveilles aux populations. Quand les votes finissent, après maintenant, on voit ce qu'ils doivent faire, ce n'est pas ce qu'ils font. Beaucoup de fois, on nous promet beaucoup de choses, mais ça ne se fait pas. Pour ça, je suis découragée. Et dans bien des cas, les électeurs se laissent appâter par les mots de charme des potentiels futurs élus. Après les élections, ils espèrent vivre la meilleure des vies dans le meilleur des mondes. Quand ils font les élections, c'est les paroles douces et tout ça. Maintenant, quand ils sont élus, nous ne voyons rien de leurs promesses. Bien souvent, au lendemain des votes, c'est la désillusion. Aucune promesse respectée. La jeunesse est prise à mal. Il n'y a pas de travail. Une fois élus, ce qu'ils ont tenu dans les meetings, c'est différent de ce qu'ils font. Il y a des quartiers, ce n'est pas bitumé. Il y a des quartiers, il n'y a pas courant. Quand il vient, si vous m'avez élu, il fait venir courant, il fait venir goudron dans votre quartier. Maintenant, après ça, on ne les voit plus. En Côte d'Ivoire, les élections couplées municipales et régionales pointent du nez. Déjà ce 5 avril à minuit précise, démarrent les campagnes. Les électeurs ivoiriens, eux, espèrent que les candidats, pour cette fois, tiendront leurs promesses de campagne au lendemain du 21 avril prochain. Qu'ils fassent un peu semblant même de faire le minimum de leurs promesses. Même si c'est vrai, on ne peut pas tout faire du jour au lendemain, mais petit à petit, il faut qu'on sente qu'ils sont en train de travailler. Eh bien, autre chose à présent, les agents des eaux et forêts détachés à l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, confrontés à d'énormes difficultés, par exemple, ils sont très souvent victimes d'agressions. Face à des conditions de travail pénibles, leur syndicat, le SINAPARCI, crie son désarroi. Juliette Ouya. Les parcs nationaux de Côte d'Ivoire sont sujets essentiellement à trois types de menaces: les infiltrations à des fins de création de campements et de plantations, le déboisement et le braconnage. Ainsi, pour assurer leur protection, plus de 260 agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves, l'OIPR,
Seulement, la tâche n'est pas aisée pour ces agents techniques du ministère des Eaux et Forêts, car pour effectuer des missions, la plupart ne possèdent pas d'équipement nécessaire. Résultat, ils subissent régulièrement les attaques des braconniers, souvent lourdement armés. C'est donc pour remédier au problème que le syndicat national des agents des parcs et réserves de Côte d'Ivoire s'est réuni ce mercredi 3 avril. Au menu, l'indemnité de risque due aux agents techniques des eaux et forêts en service à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Nous avons été omis. Et donc depuis 2009 que cela a dû, nous n'avons pas pu avoir gain de cause. Il y a les sous-officiers, les officiers dits APVA, les officiers ingénieurs et techniques, et les ingénieurs pleins. Ça part de 120, 140 000 francs, 150 000 et 200 000 francs. En attendant des moyens plus adéquats pour assurer la sécurité des aires protégées, le syndicat national des agents des parcs et réserves de Côte d'Ivoire demande à la tutelle de régler l'indemnité de risque suspendue depuis 2009. À ce jour, 27 agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves ont été blessés lors des attaques de braconniers dans les parcs nationaux et 4 autres ont été tués. La sécurité dans les établissements ouverts au public également à l'ordre du jour. La police sanitaire monte au créneau, maquis, salons de coiffure et autres structures seront minutieusement inspectées. L'objectif est de protéger la population contre notamment les risques d'intoxication. Le reportage est signé Franck Kouadio. Hôpital général d'Abobo, service des urgences médicales, des malades sont aux soins. Dans le couloir, une ambiance peu commune. La police sanitaire effectue une inspection des lieux. Une opération de sensibilisation sur la sécurité sanitaire entrée dans sa phase active depuis le 19 février 2013. Il s'agit pour nous de savoir si les urgences ne sont pas engorgées. Est-ce que les patients ils sont pris en compte comme il faut par les responsables. Au service des hospitalisations pédiatriques, il y a beaucoup à faire. Et certaines insuffisances relevées. Vous allez demander à celles qui s'occupent de la propriété de ne pas charger le lit de nos bébés avec son matériel de nettoyage. Risque sanitaire, mais énormément de besoins en dépit des travaux de réfection de l'établissement sanitaire. Nous demandons à ce qu'on nous mette sur un programme de réhabilitation. Surtout les services qui s'occupent du couple mère-enfant. Dans un autre décor, un autre établissement, cette fois esthétique. L'équipe des policiers du sanitaire fait des recommandations à Yebrou Thérèse, coiffeuse. À partir d'aujourd'hui, vous devez considérer que désormais, la police sanitaire est sur le terrain. À tout moment, on peut passer chez vous ici de façon inopinée pour voir si le stérilateur que nous avons vu aujourd'hui existe encore. Une action qui sera poursuivie dans plusieurs établissements publics et établissements sanitaires durant une période de 3 mois, laquelle sera suivie de la phase répressive. Une page éducation dans cette édition et on évoque la célébration aujourd'hui de la première édition de la Journée nationale du mérite et de l'excellence. L'initiative est du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Cette initiative vise à promouvoir la qualité. Pour en savoir plus, on écoute Grace Kando et Juliette Ouya. Je viens d'être primée et je suis heureuse, je suis très émue. Je promets à tout le monde, au ministère et à ma famille, de continuer à bien travailler afin de montrer mon honneur. Les efforts que nous faisons tous les jours doivent être couronnés par ce genre d'événements. Et je dis vraiment merci. Le mérite d'élèves, de personnel d'encadrement et de structure vient d'être reconnu. L'initiative est du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Objectif, célébrer l'excellence pour susciter une saine émulation entre les acteurs du système éducatif ivoirien. La Journée nationale du mérite et de l'excellence est par essence la plateforme et le canal de diffusion d'un message d'exhortation. Elle sonne le temps de la résurgence du culte du savoir. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, il est urgent que soient cultivées chez les élèves des valeurs du mérite. L'école ivoirienne nouvelle doit être en effet une école de référence, une école de défis, qui fait de la qualité, de la performance et de la culture du mérite les fondements de son essor et sa stabilité dans un monde devenu aujourd'hui
de plus en plus compétitif. Cette cérémonie nationale du mérite et de l'excellence a été également l'occasion pour le chef du gouvernement ivoirien d'annoncer la réinstitution des prix d'excellence au niveau national, dont la première édition est prévue le 6 août prochain. La route de Mbadan bientôt livrée, les travaux de réhabilitation de la voirie sont presque achevés. L'opération lancée il y a près d'un an concerne la réalisation d'une voie qui permettra le désenclavement du village de Mbadan, c'est dans la commune de Cocody. Thomas Gessambi. Vrombissement de moteurs de gros engins en mouvement, pose de l'asphalte, un mélange de pierre, de sable et de ciment d'asphalte qui donne à la fois une couleur noire et un resserrement de matériaux. Nous sommes sur le chantier des travaux de bitumage de la voie d'accès du village de Mbadan, commune de Cocody. Débutés en juillet dernier, les travaux ont pris un relatif retard, mais aujourd'hui, ils tirent à leur fin. Pour ce chantier, il y a eu des problèmes de déplacement de réseau qui ont vraiment retardé vraiment la fin des travaux. Vous allez voir qu'on a pratiquement passé 3 mois sans rien faire et on attendait le déplacement de deux réseaux. Au niveau de réseau SODECI, au niveau de réseau CIE et réseau téléphonique. Visiblement, ce n'est donc qu'une question de semaine pour achever l'ouvrage. Mais déjà, riverains et usagers partagent leur soulagement. Vraiment, on a souffert de l'état de la route. Avec la poussière et tout, mais vraiment c'est un véritable soulagement. On peut circuler librement. Au début, il y avait le cassis d'eau dans un peu partout. Actuellement, on peut circuler tranquillement, sans problème. Pour les conducteurs de travaux, tout a été pensé pour livrer un travail de qualité. Longue de 3,5 km, la route de Mbadan est un fruit du projet d'urgence d'infrastructure urbaine pure. À présent, des nouvelles de l'étranger. D'abord au Mali, où le chef de la diplomatie française est en visite. À Bamako, Laurent Fabius a lancé un appel à la réconciliation politique. Laurent Fabius à Bamako, la visite du chef de la diplomatie française intervient alors que Paris insiste pour que des élections mettent fin à la période de transition soient organisées avant le mois d'août. Plus diplomatiquement, Laurent Fabius a rappelé qu'il fallait des élections en juillet parce qu'il faut une nouvelle légitimité démocratique au Mali. À Bamako, le comité de pilotage d'appui au processus électoral met les bouchées doubles pour tenir les délais. Le ministre de l'administration territoriale, un militaire, assure n'avoir aucun doute sur le respect du calendrier. Le financement est selon lui bouclé. Une question n'est cependant pas tranchée, celle du couplage ou du découplage des élections présidentielles et législatives. Le plus difficile, c'est sans doute de rétablir la sécurité au nord, où les combattants islamistes continuent de mener des incursions, comme ici à Gao la semaine dernière. Dans certaines régions, l'autorité de Bamako n'est toujours pas rétablie, comme à Kidal, où les Touaregs du MNLA refusent le retour de l'armée malienne. Il n'est pas imaginable aujourd'hui au Mali que des élections aient lieu sans que l'autorité malienne soit effective à Kidal. Autre problème, les populations déplacées ou réfugiées dans les pays voisins, plus de 470 000 Maliens au total. Pour l'instant, l'administration envisage de les faire voter là où ils se trouvent. Pour beaucoup d'hommes politiques maliens, rien de pire qu'une élection bâclée qui risquerait de faire durer la situation de crise. Et puis en Grande-Bretagne, BAFTA d'honneur pour la reine Elisabeth II. Il s'agit d'une récompense du cinéma britannique. Elle est primée pour son soutien à cette industrie. Un BAFTA d'honneur pour Sa Majesté. La reine Elisabeth a été récompensée jeudi soir par le cinéma britannique pour son soutien à cette industrie et pour son mémorable rôle de James Bond Girl lors des Jeux Olympiques de Londres. C'est l'acteur et réalisateur Kenneth Branagh qui a remis à la souveraine âgée de 86 ans le trophée lors d'une cérémonie au château de Windsor. La reine Elisabeth avait créé la surprise en donnant une courte réplique à Daniel Craig, alias James Bond, dans un court-métrage projeté pendant la cérémonie d'ouverture des JO de Londres 2012. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à tous ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire, mais également dans 36 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les programmes se poursuivent sur RTI 2. Bonne soirée.